Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Let's Play Kerbal Space Program en mode carrière. Et on était en plein dans la mission d'Una. Alors, ça fait un peu longtemps que j'ai pas uploadé d'épisode parce que on est en pleine crise du coronavirus et moi ça m'a fait beaucoup de boulot. Je travaille dans l'informatique et j'ai dû mettre en place une solution en urgence pour le travail à distance de mes collègues. Ça fait 2 semaines que j'ai fait quasiment que ça. Mais bon, ça marche, c'est maintenant, tout va bien, c'est sur des rails. Encore des petits réglages à faire, mais tout va bien. Donc, cette mission d'Una. On en était, c'était bien établi autour de Duna, on avait déployé nos satellites de communication, donc on a une très bonne réception radio de partout. On s'était positionné la station autour de Ike, le satellite naturel de Duna, avec comme objectif d'aller se ravitailler en carburant. Et donc, aujourd'hui ça va être un épisode sur le ravitaillement en carburant. Allons voir tout de suite ça. Alors, donc je vais lancer mon opération de minage sur Ike. Donc on va détacher ça, désamarrer, voilà. J'en prends le contrôle, c'est très bien. Ouais, pourquoi pas. Et je vais m'écarter de là. Donc une chose qu'il ne faut pas que j'oublie de faire, c'est de déployer mes panneaux solaires. Voilà. Très bien. Je vais aussi déployer mes jambes d'atterrissage. Magnifique. Je dispose de 2394 mètres par seconde là-dessus. Sauf que, une fois que je serai plein de minerais, j'aurai beaucoup moins. Alors. Donc, je crois que sur Ike, c'est les zones sombres qui sont riches en minerais. Donc, ça tombe bien. On est à peu près au bon endroit. Très bien. On va s'avancer ici. Pas trop non plus. C'est quoi mon altitude, hein? Ça m'a l'air pas mal ici, hein. Allez. Je vais faire tomber ma vitesse à zéro. Zéro ou presque. Enfin, 100 mètres par seconde. Et... très bien. Mais j'ai essayé de me fier à Kerbal Engineer pour faire un suicide burn, comme ils disent, c'est-à-dire lancer ma poussée juste avant d'atterrir, essayer de tomber à zéro mètres par seconde juste avant de toucher le sol. On va essayer de faire ça.
Alors, j'étais pas dans le bon référentiel. Hein. Voilà, j'ai touché le sol. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus stable. Voilà. Le groupe 3, je déploie. Et le groupe 4. Pourquoi est-ce qu'il est... Pourquoi pas les radiateurs, le groupe 4. Activer radiateur. Alors j'ai un taux de minerai nul ou inconnu, je saurais pas dire. Pas l'air très bon. Alors, qu'est-ce que ça donne sur ma charge électrique avec le temps? Est-ce que je peux tenir une nuit entière avec ma batterie? Ça a l'air de marcher. Bon, apparemment, cette zone sombre, c'était pas là les... où il y avait beaucoup de minerais. C'est peut-être les autres là-bas. En tout cas, j'ai toujours une bonne réception radio. Suis toujours bien couvert. Même si des fois ça passe par Eve. Waouh, c'était vraiment tout juste. Alors ça y est, mon réservoir de minerai est plein. Donc je vais arrêter la foreuse, la rentrée. Décidément, des trucs qui sont pas tout à fait bien avec les groupes d'action. Bon, et on voit que j'ai perdu énormément de Delta V en fait, parce que j'ai ce réservoir de minerai qui est complètement plein. Je vais attendre que la trajectoire, que l'orbite de la station passe au-dessus de mon mineur. Hop, voilà, là je suis à peu près bien. Alors une chose que j'ai oublié de faire, c'est... Alors c'est quoi les groupes d'action? Voilà, c'est ça. Hop, récupérer la science. Et hop, tout stocker dans le module. On est presque bien. Voilà, niveau trajectoire. Hop. On va décoller. Et on va se mettre direction la cible. C'est bon.
Donc j'ai pas beaucoup de delta V, hein. Je vais faire mon rendez-vous. Donc je vais m'orienter direction rétrograde, annuler ma vitesse par rapport à ma cible. Très bien. Et maintenant, ah, j'ai une séparation à 200 mètres là-bas. Pouf. Je vais en profiter, hein. Si je me rapproche naturellement. Oui, bien, bien. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire l'amarrage. Donc on va bien dire qu'on contrôle d'ici, qu'on s'oriente vers la cible. Je vais passer sur la station. Je vais dire que je la contrôle d'ici. Et je vais dire que ma cible est là-bas. Et même combat, je vais l'orienter vers ma cible. Je vais repasser là. Et on va s'avancer. Voilà, là je suis assez près. Je peux lui dire que ma cible c'est le chapeautron. Et j'ai plus qu'à réaligner ma trajectoire, voilà, en alignant mon marqueur cible et mon marqueur prograde. Voilà. Donc j'arrive vraiment à proximité. Je vais rentrer mes panneaux solaires et je vais ralentir. Voilà, donc là la station s'oriente vers moi. Moi je m'oriente vers le port Chapeautron. C'est magnifique, ça va se faire tout seul. Je vais juste ralentir un petit peu sur la fin. Voilà. Pour pas arriver trop vite. Voilà. Et on est revenu. Du coup.
Je vais faire basculer tout le minerai dans le réservoir qui est là-bas. Alors, je vais activer les radiateurs ici. Activer. Activer. Et je vais démarrer la conversion du minerai. Et oui, on va faire ergol liquide et oxygène liquide. Je vais pouvoir à nouveau renvoyer le mineur chercher plus de minerais. Je vais attendre d'être de retour au soleil. Alors, je vais séparer tout de suite ce truc-là. Hop. On va réactiver un peu tout. Et on va s'écarter. Pas d'activer les panneaux solaires là-dessus. Et on va trouver un autre endroit pour atterrir. Magnifique, on a bien touché le sol, tout va bien, on déploie la foreuse et on l'actionne. Apparemment je suis toujours pas dans un super endroit, il va vraiment falloir faire pas mal de voyages pour pouvoir tout remplir. Et après dire, je suis même pas sûr qu'un chargement suffise à re-remplir le carburant du mineur. Parce que ça fait 1500 et c'est un 1 pour 1, 720 et 880, ça fait 1600. Ah, c'est ridicule. Ouais, c'est très con. Ouais, bah, j'ai raté un truc là-dessus. En fait, j'ai pas du tout assez réfléchi quand j'ai conçu mon machin. Parce que je savais que c'était du 1 pour 1. Et il faut quand même que je puisse rétablir le carburant dont j'ai besoin pour faire l'aller-retour jusqu'à la surface. Et voilà, je vais arrêter cet épisode-là sur ce fail. Un gros problème pour le ravitaillement. En fait, à chaque fois que je fais un aller-retour pour me ravitailler en carburant, je perds du carburant au lieu d'en gagner. C'est vraiment pas bon, il va falloir que je trouve une solution pour ça, parce que sinon ça va mettre en péril le reste de la mission, c'est-à-dire l'atterrissage sur Duna, bon, ça, je devrais pouvoir m'en sortir, mais surtout le retour à la maison. On verra dans le prochain épisode comment je vais réussir à m'organiser pour ça. Bon, en tout cas, ben, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode avec moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous inscrire et à mettre un petit like sur la vidéo. Et ben, je vous dis à très bientôt dans un futur épisode.